appelle qui est au ciel. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui pour toujours. Nous disons merci ce soir, Père, pour nous avoir regroupés dans ta maison, Seigneur de l'Éternel. Toi, merci pour la protection que tu nous as accordée, oh Dieu. Alors que nous étions séparés la journée du mercredi, aujourd'hui tu as accepté, oh Dieu, de nous regrouper dans ta maison, Père. Nous sommes venus, Père Céleste, chacun a amené, oh Dieu, un fardeau. Il veut être chargé, oh Dieu Tout-Puissant, au poids de la croix. Raison pour laquelle, Seigneur bien-aimé, la parole, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est ta parole, Père. Accepte, Seigneur Jésus, de nous donner, oh Dieu, une grâce, de recevoir quelque chose, au moins ta parole, Père, afin d'avoir, oh Dieu, quoi dit dans la prière, Seigneur Jésus, notre Père. Oh Jésus, notre Père, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, en quittant le lieu, pour quitter tel que nous étions venus. Accepte, Seigneur bien-aimé, de nous donner, oh Dieu, de mettre les paroles de supplication sur notre langue. Parce que, oh Dieu, nous voulons te parler. Nous voulons t'annoncer, oh Dieu, les profonds désirs de notre cœur, Seigneur bien-aimé. C'est pourquoi, Père, nous t'offrons, oh Dieu, toute cette partie du début à la fin. Prends le pouvoir, le contrôle, la prééminence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit de Dieu prémine la réunion, oh Dieu, du début à la fin. Sur l'ordre, oh Dieu, Tout-Puissant, de ta parole, nous boutons loin de ces lieux. Tout esprit ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus, que seul le nom de Jésus prenne la prééminence du début à la fin. Nous consacrons la partie à toi en disant au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme c'est une journée consacrée à la prière, nous essayerons d'avancer toujours avec le même sujet, mais nous allons parler de la façon à réallumer la foi de quelqu'un pour avoir quoi parler en prière. Nous allons nous tenir debout en fait d'honorer la lecture de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 17. Commençons par le point 20. Nous lisons au nom du Seigneur. David s'éleva de bon matin. Laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Na akacha makondo na mchungaji moya hivi na akenda kulingana na bile Isaya alimruhusu. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Na wakati akafika mukambi jeshi ilikuya yenye kurarua kupitia jeshi na bakakuya njwa vita. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Israël et les Philistins baranza kukombana katikati ya jeshi kupingana na jeshi ingine. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Na Daudi akabeba bifulushi byote alikuwa nabyo na kumpatia ule aranza kuchunga bifulushi. Et courit vers le rang de l'armée. Na akakukimbililia kwa ule kiongozi wa jeshi. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Wakati arifika, akauliza banduku yake abari yabo. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors du rang des Philistins. Wakati aranza kuzungumuzia na bakubwa yake, tazama mufilistino wa kugad, mwenye kuitwa akaitwa Goliath. Na akachofa na kusema hivi kutoka mukambi ya Bafilistino. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Akaendelea na misemo ile alitangulia kusema mbele na Daudi akashikia bile Goliath aranza kusema. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Kwa kuonekana kwa huyu Goliath, Israël yote kakimbia na ikashikwa na boka kubwa. Chacun disait,
Avez-vous vu s'avancer cet homme? Kila moja kaanza kulizisha. Mulimuona ule mtu pale anaanza kuchofa. C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Alichofa njoo kupinganisha Israeli. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Wakati mtu ule atamua mfalme atamujaza na utajiri. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Na atamuoesha mtoto wake mwanamke na ata pandisha nyumba ya baba yake yule mtu atamua mwanamume Israeli. Dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, Daudi akambia batu bale barikuwa pembeni yake, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Batamufanshia nini huyu ataua huyu Filistino? Qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Na ule atatosha aya ya Israeli. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Huyu mu Filistino ashoko kutairiwa anakuya nani ndio atukane jeshi ya Mungu aliye hai? Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons s'asseoir. Bwana bariki usome ya neno yake tunaweza kuikala. Qui est donc ce Philistin? Homo Philistina ni nani basi? Cet incirconcis. Moto wa shoko tairiwa. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Jo endele kutukana jeshi ya Mungu aliye hai. Nous sommes en train de parler sur notre position en Christ. Tukuna ubiri kuhusu mshimamo wetu ndani ya Kristo. Nous avons pris David. Na tukabe tunabeba Daudi. Lui qui peut aussi nous montrer ce qu'il a fait comme lui avait reconnu sa position dans le Seigneur. Tuone nini alifanyaka vile alitambuaka mshimamo wake ndani ya Bwana. David avait reconnu ce qu'il était dans le Seigneur. Daudi alijua kile iko mwili ya Bwana. Je pense que vous connaissez l'histoire de David. Na wazia mnajua hii mambo ya Daudi. David était oint par Samuel le prophète. Daudi alipakawa mafuta kupitia Samuel nabii. Et parmi les 8 enfants d'Isaïe, na katikati ya batoto munane ba Isaya, David était le cadet. Na Daudi alikuwa wa mwisho. Alors le choix de Dieu était allé tomber sur David. Uchakuzi ya Mungu ikamchakula Daudi. Dans la maison d'Isaïe, il y avait les géants, les garçons, les bien corpulents. Na munyumba ya Isaya mulikuwa ba biana, ba lefu, ba nene. Mais le choix de Dieu ne pouvait pas tomber sur ces gens-là. Hein? Et le choix de Dieu est allé tomber sur David. David, là où il était en train de paître les brebis, alors que Samuel était venu pour oindre quelqu'un qui devait être roi. Na Daudi Samuel alikuya kupakala mutu moya alipasha kwa mfalme. Quand Isaïe a amené tous les enfants sauf David. Wakati Esa akaleta batoto wote kutosha tu Daudi. Parce qu'il ne pensait pas que chez David pouvait y sortir quelque chose de meilleur. Jashi kuwazia sema Daudi alipasha kuya kwa mutu wa kabaila. Je pense que ça doit être votre cas ce soir. Na wazekana njo mambo kunawe mangaribi. Le Saint-Esprit, le message est venu tomber juste dans vos oreilles. Roho Mtakatifu ujumbe na kushukia tu mashikio yako. Alors que les grands hommes ont entendu ce même message. Ils les ont fait sourd oreille. Et ça ne leur disait rien. Mais le choix est tombé sur vous. Dieu vous a sélectionné. Et là où vous étiez dans la bourbière dans ce monde, vous étiez comme un ver dans un tas de salité. Et on vous a ramassé par la justification. Et vous avez été lavé par le lavage de la parole de Dieu. Et on vous place pour un service quelconque. Voilà la grâce qui tombe sur vous. Alors que dans la salité là, il y avait d'autres ordures. Mais toi, tu as intéressé beaucoup l'Éternel. Et c'est ainsi que l'Éternel a fait son choix sur vous. Lisons un peu toujours dans le premier Samuel là, toujours 17, cette fois-ci au point 32. Na tulukeko kiloko paka ku sura ya 17 tusome nukta 32. David dit à Saül. Daudi akamwambia Saulo. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Mutu atamoya ashichoke kuhusu mu Filistino. Est-ce qu'on sont présents? Eti tuko hapa. Est-ce que quelqu'un est découragé à cause de ce qui lui est arrivé? Huko mtu anachokesha na mambo ile shakumhangaisha. Ce soir. Imangaribi. Le prophète la Bible te dit. Nabii na Biblia inakwambia. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Mutu atamoya ashilekee kuhusu mu Filistino. Que personne ne se décourage à cause de ce qui lui est arrivé. Mutu ashilekee kuhusu mambo ile alipata. Ce n'est pas tard.
Comme l'ennemi n'a pas réussi à te tuer, alors sachez que quelque chose est sur le point d'arriver. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Écoutez très bien. Ton serviteur ira se battre contre lui. Le serviteur qui parle là, c'est un bout d'homme ingringalé devant un géant homme. Et quand le prophète décrivait Goliath, un seul doigt de Goliath mesurait 30 cm. Rendez-vous compte quel était un homme géant comme Goliath. Mais un bout d'homme qui se pointe pour aller faire face à ces messieurs-là. Alors, David dit à Saül. Non, j'ai sauté. Nous sommes au 37. Et 33 plutôt. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Je crois que c'est ce que le médecin t'a dit. Que ceci n'est pas, c'est vraiment incurable. Ou bien ceci, allez-y seulement en Afrique du Sud, pas au Congo. Ou ton problème là, on a dit qu'en tout cas c'est difficile. Amen. Amen. Saül a dit, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Oh, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Oh, je pense que c'est ça le conseil que tu as reçu quelque part. Que cette maladie a exterminé beaucoup de gens. Que ce dossier-là que tu as maintenant, en tout cas, aujourd'hui, avec la loi aujourd'hui, ça ne marchera pas. Mais ce matin, j'aimerais que chacun de nous soit un petit David dans cette salle. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Car tu es un petit enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Avec le magistrat qui a ton dossier là, lui il n'a pas, il est impitoyable. Oh là là. Oh là là. Sois seulement un petit David ce matin. Le même Dieu qui avait délivré David devant Goliath. Et il est déjà au rendez-vous ce soir. 34, il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Oh, c'est ce qui me fait du bien. Vous savez, parler c'est bien, mais en montrer les actes, les actions que Dieu a déjà fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Tel que tu es là. Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ta vie. Et si tu ne vois rien, oh, laisse-moi te rappeler. Toi qui étais ivrogne, qui courait derrière les jupons, toi qui étais commère, et juste quand tu as croisé la parole, je t'ai rendu autrement que tu l'étais. Mais c'est plus qu'un miracle. Aucun médecin ne peut faire ça. Est-ce que nous sommes présents? Et c'est ainsi que David fut l'expérience qu'il a vécue avec Dieu. Il a commencé à dire, parce qu'il connaissait d'abord sa position. Moi, David, dans la maison de mon père, nous étions au nombre de 8. Mais je suis le cadet. Je pèse 45 kilos. Mais j'ai mes grands frères qui pèsent 100 kilos. Mais le choix de Dieu vient tomber sur moi. Alors la personne connaissait sa position. Écoutez ce qu'il commence à dire. Afin de donner la foi à Saül. Saül n'était pas convaincu que le jeune homme pouvait aller affronter Goliath. David commence à donner témoignage. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père.
Alors quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Mais ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Devant un lion. Même celui qui est en train d'insulter l'armée de Dieu là. Il ne peut pas faire face à ça. En aucun cas. Mais quand moi j'étais là, à l'aide de la fonte que je faisais, je maîtrisais un lion. Je maîtrisais un ours. Oh là là. Quel grand témoignage David pouvait donner au roi. Il dit que s'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Mais c'est inconcevable. Un lion qui pèse plus de 200 kilos devant un garçon de 45 kilos. Mais ça ne s'explique pas. Est-ce que nous sommes présents? Ce soir, l'ennemi ne va pas comprendre quelque chose. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cette incirconcis comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Laissez-moi vous dire ce soir. Les Philistins qui est sur vous ce soir a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a défié la parole de Dieu. Dieu dit, j'aime que vous voir être en santé meilleure et prospère. Mais lui, il vient, il ravit vos biens, il vous donne les maladies, il défie la parole de Dieu. C'est une insulte à l'égard de la promesse. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Wende, wamilela kushindikize. Par ce témoignage-là, pitia tu ile ushuda. Non, cela a donné la foi à Saül. Ile ilimulamusha imani Saulo. Parce que Saül se regardait. Saulo akatomboka. Même moi ici, je ne ferai jamais face à un lion. Atami yeshezi kukombanisha simba. Mais là, il y a un signe naturel qui a combattu contre ce jeune homme. Pale kulikuwa cha Mungu chenye kilikombania huyu kijana. Asitende na leka va. Kama ndio mambo hivi iko wende. Que l'Éternel soit avec toi. Wamilela kushindikize. Seulement, il commence à lui donner sa religion. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de reins. Il le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Daoudi akabamba mpanga ya Saulo kupitia mavazi yake. Il voulut marcher. Anapima kutembea. Car il n'avait pas encore essayé. Jo alikuwa ashaibipimaka. Mais il a dit à Saül. Akamwambia Saulo, je ne puis pas marcher avec cette armure. Na ingabo yako sitaweza kutembea. Je ne suis pas accoutumé. Na shibizobele. Et il s'en débarrassa. Akebivula. Bien aimés frères et sœurs. Mapendwa ndugu na dada. Ce soir. Imangaribi. Ne cherchez pas une armure ailleurs. Vous Amen. Avez l'unique nom. Le nom de Jésus. C'est la seule tour forte. Et quand les saints se cachent là-bas, ils sont sécurisés. Débarrassez-vous de tout. Prenez la seule arme. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il prit en main son bâton. Choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa jupe sière.
de berger est dans sa poche. Na akayeka mumufuko. Puis sa fonde à la main s'avança contre les Philistins. Mumpanda yake mumikono akasonga kwa mufilistino. Quel paradoxe! Mushanga ukani. Avec cinq pierres. Na majiwe tano. Une fronde. Na mumpanda. Devant quelqu'un armé jusqu'au dents. Mbele ya mtu mwenye kujipamba paka na kumeno. Bien aimés frères et sœurs, ne regardez pas ce qui frappe aux yeux. Ne regardez pas la gravité de la chose. Mais regardez la promesse. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. Et il va faire quelque chose ce soir. À moins que vous le croyez de tout cœur. David est allé dans cette vallée-là. Il a ramassé que cinq pierres. Et le prophète dit, mais c'était une révélation. Les cinq pierres représentaient le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui a cinq lettres. Il a pris le nom de Jésus. Il devrait s'avancer au nom de Jésus. Suivez l'histoire. Le Philistin s'approcha peu après de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton et après l'avoir monté par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu es Dieu des armées, de l'armée d'Israël. Israël. Le Dieu que tu as maudit. Ce soir, je vous invite avancer devant ces problèmes-là au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu que l'ennemi a défié parce que vous avez certains défis. Certains défis dans le camp. Mais comme certains défis ne vous en faites pas, prenez le nom de Jésus. Avancez maintenant. David continue de dire, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Léo, quelqu'un peut dire à sa situation que aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Léo, kitumba cha umu Filistino bandeke baanga na manyama ya pori tekula. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vraiment. Na dunia yote itajua sema Israël kuna Mungu. Oh là là, quelle déclaration. Oh, musemo kani nguvu. Toute la terre dunia yote saura qu'Israël a un Dieu. Itajua kusema mu Israël muko Mungu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Alléluia. Ce n'est ni par la médecine ni par l'intervention de quelqu'un d'autre que l'Éternel guérit. J'ai beaucoup aimé ça, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'éteignent en mouvement pour marcher au devant de David, David courut
sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jupe baissière. Il prit une pierre, une seulement. Oh là là. Oh là là. Soyez prêts à prendre le nom de Jésus. Et jusqu'à vous commencez avec la lettre J. Je pense que le camp de l'ennemi est dans la bandade. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Écoutez, qui tomba le visage contre terre. Qu'est-ce donc? Il a adoré le Dieu d'Israël. Amen. L'homme de garde, le Philistin, était bien couvert. L'unique endroit qui restait, c'était le visage. Pourquoi? La colonne de feu. L'ange de l'éternel qui était à côté de David a téléguidé la pierre jusqu'à aller dans le front. Et l'ange a multiplié la vitesse de la pierre. Et cette pierre est entrée. Elle s'est enfoncée jusqu'au front. Amen. Et l'homme tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui, et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Mon frère, ma soeur, ne vous en faites pas. Ne cherchez pas que quelqu'un vienne imposer les mains sur vous. Là où vous êtes, vous avez la promesse. Là où vous êtes, vous êtes plus que vainqueur. Prenez le nom de Jésus. Devant la situation, n'importe quel cas qui vous trouble, il y a Jésus dans les camps. C'est question de connaître ce que vous êtes. Reconnaissez votre position. Qui êtes-vous d'abord dans ce message? Et si vous reconnaissez ce que vous êtes, le ciel est derrière vous. Le prophète dit, la personne qui reconnaît ce qu'elle est, le diable tremble devant cette personne. Et c'est un tonnerre devant le diable. Oh, j'ai beaucoup aimé la chose. Relisons un peu là où nous avions lu le mercredi. Les autres séparations du 21 janvier 55. Nous allons prendre le point 15. Oh, le prophète va déclarer une chose. Bien-aimés frères et sœurs, c'est capital ce soir. Je sens que quelqu'un sera béni ce soir. Parce que oh Dieu, on n'a jamais été devant les grands dieux. Et retourner tel qu'il était venu. Au point 15, le prophète dit, je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. D'autres termes, je me demandais souvent ce qui n'allait pas au grâce tabernacle. Ils ont très peur des choses. Oh là là. Oh là là. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. C'est ce que David a dit à Saul. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Alléluia. Pratiquement la première parole que Jésus a prononcée après sa résurrection, c'est n'ayez pas peur. Kwa kawaida msemo ya kwanza ile Yesu alisema pale alifufuka, mushongope. N'ayez pas peur. Mushongope. Ne soyez pas effrayés. Mushongope shwe. Il n'y aura rien. Hakuna chochote. Rien ne peut arriver. Hakuna kile kitakufikia. Rien ne peut déranger un chrétien. Hakuna kile kinaweza kumuji mkristo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Mtaweza kusema amen kwa ile. La bouche de Dieu dit. Inoja ya Mungu kinasema. Rien ne peut déranger un chrétien. Hakuna kile kinaweza kuuzi mkristo. Si vous êtes chrétien ce soir, croyez que rien ne va te déranger. Amen. Et dites aussi amen à cela. Et
tia po amina. Même pas la mort elle-même. Anasema ata lufulu enyewe. Ne peut toucher un chrétien. Ayezi kufikia mu Kristo. Parce que c'est lui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé. Ola nashikia neno yangu la kuamini kwa ola ananituma. A la vie éternelle. Ana uzima wa milele. Et il ne vient point en jugement. Na achezi kupita kuhukumu. Il est passé de la mort à la vie. Anatoka kulufu na kwenda kuzima. Amen. Amen. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Na lufu lenye alutawalake ba Kristo. Christ est mort à notre place. Kristo aritukufia. Amen. Amen. Quel merveilleux. Kitu kani kadamani. Quelle foi devrait édifier dans le champ. Ni imani kanile ipasa kujenga batu. Donc quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien méduse, jamais. Non, absolument pas. Avez-vous déjà vu une méduse? Frappez-la. Et elle éclabousse tout sur tout. Voyez, une méduse. Vous savez qui les mange généralement? Les crabes et les choses qui sont au long du rivage. Et ceci s'amène avec leurs pinces. Et il la coupe en deux et l'emporte. Car la méduse reste simplement sur place. Ne restez pas sur place. La colonne de feu se déplace. Déplacez-vous avec elle. Amen, amen. Dit que frère, Anasemanduku, nous avons besoin des chrétiens, tunatafuta ba Christo, pas des méduses, apana ba mais des gens qui ont une colonne vertébrale. Na mufupa ya mukongo. C'est vrai. Kweli. Qui résiste. Bale beku na jama. Oh, je ne veux pas dire que c'est querelé avec des gens. Amishi sabe kuenda kukosana na batu. Mais prendre position pour les droits que Dieu vous a donnés. Mutula ta kombania akila Mungu alimupa. Pour lesquels Christ est mort. Ile nya Kristo alikufia. Quelqu'un peut se rappeler pourquoi Christ est mort pour nous. Mutu anaweza kukumbuka njani ni Kristo alitukufia. Oh là là. Oh là là. Il dit certainement. Anasema kwa kawaida. Il dit que pas se laisser marcher sur les pieds. Apana wache wanze kukanyanga kumikulu. On ne doit pas se laisser marcher sur les pieds. Atuweze kuichika banze kutukanyanga kumikulu. Non monsieur. Apana bwana. Nous avons un héritage. Tukuna uriti. Et notre héritage nous appartient. Na uriti ila ni yetu. Et c'est votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité. Na ni haki yako ya kupata byote bila uripiana. En acceptant Jésus-Christ. Kumuichika Yesu Kristo. Et en mourant en vous-même. Na unakufa ndani yako. Comme c'est merveilleux. Oui monsieur. Oh binakuwa biadamani. Ndiyo bwana. Satan a dit. Shetani alisema. Eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Napenda kuambia nini nita. C'est ça Goliath, n'est-ce pas? Shinjo Goliath ule. Non. Apana. Tu ne feras rien. Auna kilo telifanya bwana. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Jo jibu ya kumujibu. Est-ce que quelqu'un est prêt à répondre comme cela? Kumuta tayari kumujibu vile. Dites. C'est ma vie. Je connais ma position. Mina jua kila niko. En Christ. Nani ya Kristo? Et tu feras tout aussi mieux de t'en aller. Ni mzuri uende lwako bwana. Je ne veux plus t'écouter. Jipenda tena kukushikia useme. J'ai un héritage. Niko na uriti. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a un héritage ici? Kukomoto mwenye kwa na uriti hapa. Croyez comme cela. Mwamini vile. Il va fuir de loin de vous. Kweli hata mikimbia. N'acceptez pas n'importe quoi qu'il vous amène. Le prophète donnait l'exemple, disait. L'autre fois, quand j'étais parti outre-mer, l'ennemi m'a donné le rhume. Oma. Et alors, je lui ai retourné son rhume. Il m'a donné encore. Je le retourne. Il m'a donné. Je le retourne. Au finish, il a pris son colis. Il est parti. N'acceptez pas n'importe quel colis. Lisons d'abord dans les livres d'Exode. Écoutez ceci. Vous n'êtes pas n'importe qui tel que vous êtes. Écoutez-moi bien. Le livre d'Exode, première partie, du 5 octobre 1955. Nous allons prendre le paragraphe 49. Pour voir qui êtes-vous d'abord. William déclare une chose là-bas. Soirée après soirée, je me tiens
sur l'estrade devant plusieurs milliers de gens du monde entier. Mangaribi kisha mangaribi miko na shimama kumimbari huko katikati ya maelfu ya watu mdunia. Encore un David qui connaissait sa position. Daudi mwingine ule alijua kile iko. William Branham. William Branham. Un David du temps du soir. Daudi wa hii wakati ya mangaribi. Il connaissait aussi sa position. Alijua kile iko. Il dit que soirée après soirée. Kisha mangaribi kisha mangaribi. Je me tenais sur l'estrade. Naanza kushimama kwa sababu. Devant plusieurs milliers de gens du monde entier. Katikati ya mamilioni mingi ya watu mdunia mzima. Des critiques assis là disant. Watu benye kunishimanga benye kuikala pale benye nasema. C'est telle et telle chose. Nikintu kifulani na kifulani. Avec des sorciers qui se lèvent là, essayant de jeter sur vous un mauvais sort. Ils vous défient en vous invitant à un duel et des choses de ce genre. Et jamais une seule fois je l'ai dit par la grâce de Dieu, jamais un brin de peur n'a saisi mon cœur, pas une seule fois. Pourquoi? Il a dit qu'il prendrait soin de moi. Et je crois en lui. Na mie na muamini. Voilà la raison. Tazama sababu. Et s'il a dit la même chose de vous, kama alikuambia na wewe pia neno moyo moyo, saisissez cette occasion-là. Oh, bambiria hii bahati. Il dit, si je pouvais avoir peur, asema, kama miliweza kongopa, je fuirais. Milipasha kukimbia. Mais, lakini, je vous assure, lorsque Jésus-Christ vous oint, wakati Yesu anakupaka mafuta, vous n'êtes pas fait de matériaux qui peuvent fuir. Amen. Aumbiwa na mwili ya kukimbiaka. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tel que vous êtes là, vila vous pale, n'êtes pas conçu de matériaux qui peuvent fuir de mwili yenu haina mwili ya kukimbiaka batu au mambo. C'est tout. Ni mwisho. Pas les rochers de Gibraltar. Hapana ile mwamba ya kutenka tenka. Mais les rochers des sages. Lakini mwamba ya bizazi. Vous montez sur le rocher des sages. Unapanda pa mwamba ya bizazi. C'est la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Et prenez position là. Bebe hapa mshimamio pale. Et pendant que les portes de l'enfer se cognent contre cela. Wakati milango ya dezi inabumbana. Résistez afin que cette parfaite assurance. Na chimpa na ile hakikisho kamilifu. C'est lui qui a promis cela ne peut faillir. La kaka ashipusake kutenda. Il ne faillira jamais. Na hata shindaka kamwe. Quelqu'un peut dire amen à cela. Unaweza kusema amina kwa ile. C'est là la foi. Jo imani ile. C'est lorsque vous n'avez pas peur. Ni wakati ila ongope. Amen. Lorsque vous n'avez pas peur, wakati la ongope, là la personne qui a promis ne faillira pas. Pale ula rilaka, ata shinda. Le diable n'est rien d'autre qu'un bluffeur. Shetani haina kitu kingine kama kiongopesha. De toute façon, namna yoyote, il grogne et explose tout cela. Eko na vimba na kupasuka tu. C'est le tonnerre sans foudre. Anakuwa